Et salutations mes chatons, c'est Chicouette. Et oui, on se retrouve pour la blissime du mois de juin. On est le 5 juin. Je l'ai reçue aujourd'hui. J'ai un jouet qui part en cacahuète. Et oui. Donc, bah. Comme quoi le jour tombe pile poil sur ça. C'est pas le tirage au sort parce que c'est le dernier truc. Donc là, c'est du coup la marque Yulène. C'est ce que j'avais reçu le mois dernier. Du coup, je suis là, dans la blissime. Donc, c'est le crayon à lèvres, de la teinte, la rose baby doll. Voilà. Donc, celui-ci, hein, ça change pas la couleur, c'est la couleur de ça. Et du coup, ça donne ça. Donc, la lumière est tombée. Ça va. Je trouve que ça. C'est un. Une bonne couleur, je trouve. Par rapport à ma. Par rapport à mon teint. Je crois qu'il y en a un qui est là. Ouais. Mister. Il tape sa meilleure sieste. Donc voilà. Ça c'est fait. Je vais pouvoir reprendre les tirages au sort de mes anciens. Alors ce mois-ci elle est un peu différente, la box. Elle est en mode arc de triomphe. Donc elle est très fleurie, hein, donc Amélie de la chaîne Amen Love, je pense que tu aimes ce motif. Voilà. Donc ouais, ça change un petit peu. Alors le choix du mois, c'était avec la marque Clarins. J'y arrivais à parler. Ouais. Donc c'était soit le Lip Perfecteur de lèvres de Clarins, donc je l'avais déjà reçu. C'est pas mon truc spécialement. Dans le calendrier 2023 de Calista. Donc je n'ai pas choisi ça, donc j'ai choisi l'autre choix qui était le mascara de Clarins. Donc voilà. Oh, j'arrive pas à tousser, ça m'énerve. Je commencerai par ce produit-là. Alors, oh, tu vois, ça s'appelle le bouquet de l'été, du coup. Juin sonne l'heure du glow. Donc, hop. Sympathique aussi. À la même coupe que la boîte, c'est sympathique ce qu'ils ont fait pour une fois. Quelle pépite Clarins vous accompagnera cet été? Donc voilà. Donc je l'ai dit, donc voilà. Il y a des éditions limitées, donc à venir ma première édition limitée. Donc ça va dépendre en fait de ce qu'il va y avoir comme produit dedans. Donc c'est pour débuter dans la beauté, donc j'ai envie de dire ça dépend ce qu'il y a comme produit dedans. Et sinon il y aura une édition pour les hommes, donc monsieur avec 64, un coffret au masculin à offrir à tous les hommes de votre vie. Voilà. Après, ça fait comme le mois dernier, il y a la liste des ingrédients d'un des produits, donc c'est soit c'est les deux produits Clarins, peu importe lequel que vous avez choisi. Voilà, c'est comme ça derrière. Ok. On va commencer donc par le choix qui était du coup pour moi le Wonder Volume Mascara XXL. Donc ça reste un tout simple. Hein. C'est un échantillon. Ah, parce que je sais, parce que c'est marqué. Ouf. Ne peut être vendu séparément. Voilà. C'est un 3 ml, bien évidemment. 01 Extreme Black. J'y arrive bien. Donc, ok. Hein, je peux vous faire montrer la brosse. Ah, ça sent bon, ça pue pas. C'est une brosse à. Ouais, normal. Voilà. Donc, c'est bien. Voilà.
Ensuite, je vais commencer par un truc qui m'agace. Mais qui m'agace. Ma soeur, elle va être très contente, mais ça m'agace de recevoir soit lui ou soit l'autre. C'est-à-dire que c'est facile, c'est la marque Moro Can Oil. Soit on reçoit l'huile de soin capillaire, soit on reçoit le pchit-pchit. Donc, au bout d'un moment, voilà. Donc là, c'est le soin Moro Can Oil pour cheveux fins ou clairs, light. Le fameux DML, donc ma soeur va être très contente. Il y a toujours marqué échantillon vente au détail interdite. Hein. C'est marqué en rouge derrière là. Voilà. Voilà, super. Donc ça, je suis pas contente. Ça fait des années qu'on le reçoit à chaque fois, au moins une ou plusieurs fois par an d'ailleurs. Merde. Ça... Donc, hashtag papier bulle en même temps. Mais voilà, ça, je suis pas contente. Ensuite, on va commencer, enfin, on continue, pardon, avec la marque Brave New Air. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas reçue. Et je suis contente parce que c'est un produit que je n'ai jamais reçu. Donc, en fait, c'est un masque concentré. Donc, qui est. Alors, c'est écrit. Je veux le français, s'il vous plaît. Voilà. Masque capillaire, brillance, instantané, enrichi en huile de coco et en extrait de fruits. Oh, ça doit sentir bon! Ok. Alors, c'est ça. Et puis pour tout type de cheveux, par contre. Et c'est en 50 ml. Voilà le packaging. Il est sympathique le packaging. Voilà. Je sais pas si ça sent. Ah, ça sent de là. Ça sent le côté vitamine quoi. Alors de là je c'était quoi qui est marqué? Ça sent pas la coco pour l'instant. Les fruits je suis bien d'accord. Mais la coco non. Ça dépend parce que des fois la coco elle est très 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 présente. Mais là voilà. Ensuite je vais finir par entre guillemets le meilleur. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas reçu, enfin moi spécialement. Donc là, j'ai la marque Andro Cosmétique. Andro, la force du fruit. Il y avait longtemps que je n'avais pas sorti de vanne comme ça. Sauf qu'il manque un S, mais chut. Alors du coup, c'est le seul format vente d'ailleurs de la box. C'est, pour moi en tout cas, c'est le sérum vitaminé. Donc, il y a peut-être une gamme avec bonne mine. Du coup, donc c'est 10% de vitamine C et oh punaise, et de la... Attention. Astaxanthine. Allez, à vos souhaits, comme dirait Carole, de la chaîne Sweetie Beauty Home. Voilà. Donc c'est une marque bio, je le sais parce que j'avais déjà reçu dans la Maven Box un autre produit. Donc voilà, je regarde s'il y a une date d'expiration parce que ça dépend. Par contre, c'est 6 mois après ouverture, mais bon. Moi, les sérums, ça va vite, hein. N'est-ce pas? Non, bah, je vois pas de date. Donc il est comme ça. Il est très couleur vitaminée aussi, hein. Très orange aussi, par contre. Hein, voilà. Format biberon. Oh, c'est en forme. J'ai plus de doigts. C'est un sérum gelé, mais ça va. Heureusement qu'il est liquide. Oh, punaise, ça sent bon. Je vous jure que ça sent bon. Ça sent les. Je suis pas du tout dans les bonbons en ce moment. Non, pas du tout. Ça sent franchement l'agrume. Franchement, ça sent l'agrume de ouf. Et ça sent bon. Donc déjà, je pense qu'il va être agréable à appliquer, en tout cas. Après, est-ce qu'il va coller? Je ne sais pas. Et le meilleur pour la fin, parce que je l'ai jamais reçu, je précise. Voilà. Ah, vous reconnaissez le rond, la couleur, ça dépend les gammes, mais voilà. C'est qui? C'est qui? C'est Popo. C'est hashtag Popo. Hashtag Popo. Ben oui, c'est Popo, c'est Polar, du coup, pour ceux qui ne savent pas.
Voilà, c'est une marque chouchoute. Ma soeur, elle adore aussi cette marque. Donc en fait, c'est dans la gamme Pureté Arctique, donc au coton des neiges. Donc ça, par contre, j'aurais mis ça. Enfin après, tout dépend comment ta vision des choses en fait. Donc c'est la gamme rose. C'est un baume démaquillant du coup. Ouais, c'est un baume démaquillant. Voilà, et c'est un... Je trouve pas le ml. 20 ml, c'est un 20 ml. Voilà. Donc ça c'est trop bien. Moi, je suis contente parce que voilà, le seul hic pour moi dans la encore je suis désolée. Je vais titiller sur quelque chose mais voilà. Ça, je pense que vous êtes tous d'accord, tous et toutes d'accord avec moi. J'en ai marre de le recevoir spécialement. Et vu qu'il y a l'augmentation des prix, la box, bien évidemment que bah, normalement vous le savez, j'ai fait la 12 mois après, enfin 12 mois, je continue donc je l'ai toujours à 16,90 la box au lieu de 17,90. Oui, c'est ça, je pense, je me suis pas gouré. Voilà. Donc au bout d'un moment, plus ça va pas devenir la moins chère la Bissima. Donc moi j'aurais mis le format vente du. Oh, je vais y arriver. Du mascara, spécialement. Parce que le Lip Perfector, c'est un format vente. J'ai plus de voix. Ça sera un format vente, hein, parce que ça, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc voilà. Puis vu que je l'ai reçu dans le Calista, dans le calendrier de Calista, voilà quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire en bémol. Et après, contente pour les trois autres produits. Même si ça, j'ai jamais reçu, hein, mais bon, voilà. Voilà, moi je suis assez contente, je n'ai juste marre de recevoir cette... Pas la marque, pas forcément la marque, mais... Je pense qu'ils n'ont pas que deux produits dans la marque, donc au bout d'un moment, en plus c'est une marque qui coûte cher. Clarins, je gueule, mais c'est vrai que ça coûte cher aussi. Donc, voilà. J'aimerais quand même avoir des nouveautés. J'ai l'impression que c'est fond de tiroir. Non mais c'est vrai, hein. J'ai l'impression que c'est fond de tiroir. Après voilà. Donc je vais pas m'éterniser. Donc si vous avez... Ah! Il y a un truc qui m'a énervé aussi. Parce que je viens de le voir là. Je trouve ça limite. Parce que bah du coup on a reçu une... On a 10 euros offerts des 5 euros joués sur FDJ, pardon, pour FR. Donc... Certes, c'est marqué, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, bien évidemment, perte d'argent, conflits familiaux, addiction et tout ça. Donc ça, ok, c'est marqué, mais je mettrai pas ça dans une box beauté, quoi. Enfin, non, pour moi, je suis pas contente pour ça. D'ailleurs, ça va être poubelle après. Je suis pas contente du tout, et du tout, du tout, du tout, du tout. Certes, il y a certainement une collaboration derrière, mais non, pas avec des jeux d'argent, hein. C'est trop risqué. Bref, ce n'est que mon avis après. Voilà, parce qu'il y a il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi qui reçoivent les box, donc voilà. Si vous avez aimé cette petite vidéo, et elle est vraiment petite pour le coup, un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement si le cœur vous en dit. Ensuite, moi, je vous aime et je vous embrasse. Voilà. Et à plus tard. Merci.